Le bébé classique, je mets mes louets. J'appelle le numéro, qu'est-ce qui va se passer? Le numéro devant arriver. Il va aussi peut-être prendre une tête, et ils peuvent se faire un mail. Mais moi, je vais fouiller une session. Je vais fouiller. J'appelle les numéros 2. Les numéros 2, tu peux même me tourner le dos. Venez me prendre le ballon, vous vous le ballon. Voilà, il y a 8, hein, tu vas marquer le ballon. Voilà, c'est pas bon. On le refait, on fait pas une situation. Pourquoi cette disposition? Pourquoi je ne vous ai pas mis là-bas pour aller marquer là-bas et là-bas? Parce que c'est des courses longues et on arrive tête contre tête. Là, j'ai des courses un peu parallèles. On limite encore la vitesse. Les numéros 5. Numéro 5. Si je voyais qu'il y a un déséquilibre, je vais avantager un élève. Je lui tourne le dos, elle en arrache, voilà. Il n'y a pas eu de vitesse, on en a 8. On lâche au sol, et toujours dans ces ateliers, on est éducateur. Et là, ça reprend. Au niveau du jeu, je suis debout, je peux continuer. La situation est bloquée. Qu'est-ce que je peux faire? J'arrête, effectivement. Ou j'appelle un autre numéro pour essayer de débloquer la situation. Si au bout de 40 secondes, 30-40 secondes, ça ne bouge pas, il ne se passe rien, allez, stop. Allez, rendez-moi le ballon, on recommence. On ne va pas faire attendre tous les autres que... Si gamin se dépatouille d'un truc qui se solutionnera jamais.